Je suis secrétaire de l'hôpital Nemba depuis l'année 1979. Je suis Luis Felipe. 14 ans de travail qu'il y a. Honnêtement, je conduisais la voiture en 1973 jusqu'à maintenant. Je m'appelle Jean-Marie Vianney Gatarugamba. Je suis venu travailler à l'hôpital depuis 1988. J'ai travaillé avec Père Michel, il fait 32 ans. Maintenant, je suis en retraite. Père Chantal, je travaille ici à l'hôpital depuis 1999. Nizemana Jules, maintenant je suis chargé des ressources humaines, chef du personnel. Et je travaille ici depuis 1998. Je suis médecin. Je travaille à l'hôpital aussi depuis 14 ans. C'est rare. Je travaille ici maintenant déjà dixième année. Docteur Jean-Baptiste Arimana. Je travaille ici à Nemba depuis 13 ans. Je suis médecin directeur de cet hôpital. Ce qui était très important pour le père Michel, il a dit que le travail est centré sur le client et non pas pour le personnel. Il faut travailler pour les pauvres. Vraiment, je salue Père Migrahel qui a aidé l'hôpital. Je le salue beaucoup. Alors, je lui souhaite encore une bonne vie, qu'il continue. Quand je suis arrivé là, chaque matin, je me dis bonjour, mon père. Alors il me disait, Amado, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul père, celui qui est aux cieux. En 2001, là où on discutait surtout sur, à propos des infrastructures qu'il fallait remettre à l'hôpital. Et c'est là justement où ils ont dit, il faut améliorer les infrastructures, mais aussi il faut penser à la nature, à l'intérieur de l'hôpital. Je salue le père Michel, et je crois que c'est la personne qui a fait beaucoup de choses pour cet hôpital. J'étais médecin directeur de l'hôpital. La phrase qu'il m'a répétée, il disait que la contribution de Médicos Mounavara, c'est pour soigner les pauvres. Que si, à un moment donné, s'il y a une personne qui n'a aucun sou, qui arrive à l'hôpital et qui n'est pas soignée, on va tout arrêter. Merci vraiment à tous les bienfaiteurs de Médicos Mounavara et surtout à Père Michel Ange. Le suite, bon anniversaire. Vous voyez que l'hôpital Nemba a grandi et grâce au Médicos Mounavara. Nous félicitons Médicos Mounavara et qu'il continue à penser à nous, à penser à notre hôpital, à penser à nos malades et que Dieu les bénisse. Vraiment. Avec tout notre cœur, nous pouvons leur souhaiter donc un joyeux anniversaire et surtout les féliciter des grandes choses qu'ils ont fait pour nous. Il y a l'agradecimiento d'Américos Mundi. Les infrastructures aussi ont beaucoup changé ici à l'hôpital grâce à Américos Mundi. À mon nom et au nom de tout le personnel de l'hôpital, on souhaite un bon anniversaire à Américos Mundi. En tout cas, il faut lui saluer. Je remercie beaucoup Médicos Mounavara qui a financé cet hôpital pendant tant d'années. Il a toujours soigné tous les pauvres et tout le monde qui venait vers ici. Alors, je salue aussi tout le monde avec qui je travaillais ici. Quand je suis arrivé ici, je travaillais seul comme médecin. Maintenant, nous sommes 10. C'est pour vous dire combien de. Ça a changé. C'est 40 ans, c'est un joyeux anniversaire. Bon, nous espérons aussi qu'ils auront les moyens, malgré les problèmes actuels, qu'ils vont continuer à collaborer avec l'hôpital.
voilà.